Jeudi, ce 19 juin 2024, mais gros point cap dominé actualité, famille bat bravo pour gros décision, ça, président Joe Biden lui-même lui prend, côté pour légaliser plus que 500 000 immigrants qui t'a vivi illégal dans le pays, les États-Unis. Nous gagnons administration Joe Biden nan, qui a approuvé 109 millions de dollars en faveur Force Kenya, donc pour venir aider pays d'Haïti. Est-ce que finalement la privée fait vraiment qu'on a pas la réalité qui s'est caché derrière tout escombrit ça yo. Là aussi, avec Corée du Nord, il y a aussi un accord partenariat côté au promet des liens qui plus étroits dans mesure rivalité pour approfondir avec Occident, pour être capable de goûter contre les États-Unis en beau créole, c'est ça, ça veut dire. Nous avons Vladimir Poutine avec Kim Jong-un, et bien deux messieurs, ça, on met tête ensemble, il y a dit même, il y a goûter contre ça qui est Occident, nous avons ONU qui m'a dépressé, force multinationale là, les vini dans le pays d'Haïti pour capable aider le pays à avancer. Et non seulement ça, mesdames et messieurs, nous avons dans le pays d'Haïti, yon l'autre squad de 450 policiers et spécialisés. Et qui à peine sorti hier, nous avons un premier ministre là qui était présent, eh bien, non, remise de parchemin côté messieurs PNH Sao, qui c'est des policiers spécialisés. Donc, spécialisés, je crois, c'est pour goumer avec gang. Eh bien, Negovin là, pour goumer avec gang, mesdames et messieurs. Bon, salut d'abord. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous êtes? Moi, j'espère en forme. Si vous regardez la vidéo, ça nous là toujours. Nous dit papa, bon Dieu. Qui est dans le ciel là, yon gros bout merci qui fait un cadeau yon jour en plus. Non, pas m'se MPH, zami mieux de MP, ma belle Eleni, MPP, VVPP. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations. Yon gros merci à support nous chaque jour pour même qui lague un like en bas vidéo, hein? Pour même qui partage le gros merci à vous même. Gros merci parce que c'est très intéressant. Pour que vous supportez travail ici là, les pas en bagaille, on tâche qui très facile, mais l'aime bien support, moi gain love vous, moi voulez continuer et jusqu'au bout. Aidez-nous pour que nous pas faibli dans route, mando aide-nous pour nous pas faibli dans mitan chemin, mesdames et messieurs. Gain longtemps pas fait ça, gain quelques jours pas fait, m'pas fait souvent, mais m'a fait le matin, hein. Donc yon mot moi porter pour nous-mêmes. Matin, mesdames et messieurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mettez ça en pratique. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant mes formes, m'a dit ça. M'a besoin qu'on sache qu'a tracassé au matin. M'a besoin qu'on ait un incident qui arrive ou dans le travail ou dans l'école ou dans le marché ou dans le business ou dans la famille ou dans whatever ça lié. Mais mettre ça dans tête ou. Tout ça qui arrive dans la vie, en tant que petit bon Dieu, il arrive pour bien. Et à la fin de la journée, ou a découvrir c'est pour bien. Gain des pertes ou fait à l'avance, c'est une bénédiction. Tendez bien. Gain des pertes ou fait à l'avance, c'est une bénédiction. Parce que perdre ça, sous te fait plus tard, l'étape une destruction fatale. Mais bon Dieu, pas quitter le rivé parce que tout simplement, l'ivre fait pète la kounia pour l'ovine fait le pi douvant pour pas regret, pour pas perdre trop. Parce que gen des déficits, soit le fait 5 ans après, I'm telling you, sont la ruine totale. Gen des déficits ou doit faire le kounia. Gen moun nan vi ou qui doit retirer koyo kounia. Pas demain, pas après demain. Gen relation doit écraser kounye a, pas demain, pas après demain parce que c'est tout un échec total. Gen divorce qui doit faire kounye a, pas demain, pas après demain, c'est kounye a. Et l'elle fait kounye a, dit bon Dieu gros merci parce que ça t'est ka pi grave, sou t'al fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Gen travail ou la donne, c'est pour quitter le kounye a. C'est pas demain. Ou a perdu en pile temps ak en pile l'argent la donne. Donc, m'pense que c'est son package complet pour me dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai réalisé dans ma vie tout ça qui est arrivé dans le passé. Yo tout te contribué pour me te ka moun mwen ya.
That's why tout ça m'est arrivé, me prend comme bien sûr et certain l'a débouché son bagage qui plus bon que ça me te gagné avant. Are you there with me? M'kwè nous comprendre ces grands timoun nouye, mais n'a avancé bien rapide dans information matin. Yon. Par respect moi gen pour ou m'bralé et pour m'capable et parti dans domaine immigration. Donc on est dans le domaine immigration qui ça causé à e, causé à par l'autre bagaille. Donc gen administration Joe Biden non, c'est-à-dire président Joe Biden lui-même, mesdames et messieurs qui vini avec une série de petits programmes là, petits programmes flatteuses. That's why moi pas négliger pour me dire vle pas vle faut approuver nan programme Biden nan. Guys, you nan plus gros secret a, li pa l'autre bagaille. C'est pas porter cop by prophète Mackinson pour prophète Mackinson et font prière pour no, plus gros secret a c'est rester positif guys. Rester positif. Est-ce que entendez? Rester positif et puis pour bon Dieu lui-même, li metto dehors nan programme ça, parler, prier, faire des déclarations. Pas aucun moyen au monde qui négatif a délivrer, pas aucun moyen. Les moyens pour monde négatif là, li rive délivrer a moyen ça au poko exister ou pas ka négatif pour nan diable ou pas ka négatif pour nan bon Dieu ou pas ka négatif pour nan franc-maçon ou pas ka négatif pour nan rien ou penser la marcher parce que le monde spirituel quel que soit jon ou là ou doit gain la foi et la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans ce de ce fait le que wap agit par la foi, c'est faire des déclarations qui ont rapport à ce qu'on a besoin. Ok? Il y a des hommes toujours à dire, mais ou pas, il doit parler comme ça. Ou juste pas, il doit parler comme ça. Ou pas, il y a une chance, mais sous dit, il n'y a pas de monde qui a fait une chance. Parce que son déclaration a fait, son prière a fait. Son prière a fait. So, donc, moi, déclarer le gars, dans le moment Joe Biden, non, c'est pour approuver dans le programme ça. C'est pour bon Dieu. Daniel là, Shadrach, Meshach et Abednego là, bon Dieu Salomon, bon Dieu David là, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour bon Dieu ça, mettez au dehors non programme ça. C'est pour ouvrir une porte qui était fermée pour le mettre au dehors la donne. Et je pense que une série de pratiques de l'année dernière, nous avons utilisé pratique de prière chaque dimanche, faut que nous fassions, nous pas capable de continuer à camper faire. Avant novembre, faut que nous fassions et pratique ça, yo guys. La prière, jeûner, c'est pas deux monde qui t'ont témoigné l'année dernière, là que nous t'es vraiment pris en prière nous au sérieux. OK comme kounia là moi non fin habitué net ka prier mais prier son gros secret yo moun ki pa la prier pa rien personne pa pa personne ouk pa prier ou pa besoin pa personne ouk pa prier depuis elle va nan prier ouais pèl OK ou pa besoin pèl ou pa besoin pa personne ki pa prier quelle que soit religion quelle que soit croyance li depuis elle va nan prier pa aucune délivrance pou li parce que faut prier pour mettre tout dehors pa rien moun ka mettre tout dehors c'est ak bouchou. Joe Biden sous administration non réalise ça me réaliser donc me réaliser que yo moun doué profiton circuit en couloir sou gen moi vle n'entendre tande ma clair tande me clair sou gen vision ou Haïti qu'on y a ou Saint-Domingue qu'on y a ou Brésil qu'on y a ou Chili qu'on y a vents et marées sou vle rentrer États-Unis faut mettre ça dans plan pendant Biden là pour choisir fait si ou gen les moyens ou a travail ou gen moyen ou gen business ou gen caille ou gen machine donc ou gen petit cob qui a passé sous canal il y a bon visa chaque jour. Il y a bon visa chaque jour. OK? Dépendamment de qui pays ou y est ou a jeune visa même plus facile même mais guys si c'est Haïti ou y est c'est Saint-Domingue ou y est et même Joe Biden t'a dit ça même. Ouais ça m'a dit là c'est pas immigration illégale non, m'a pas encouragé, mais m'a pas encouragé sou te gen vision profiter fèl. Parce que Biden li monsieur gontizye pour immigrant. Monsieur gontizye pour immigrant. Donc des centaines de milliers immigrants, yo gen des raisons pour yo réjouir lorsque président Joe Biden li dévoilé yon plan qui très vaste qui visait étendre statut juridique à conjoint citoyen américain yo.
mais inévitablement et gagner et en pile que yo laissé de côté et gagner OK inévitablement certains ont été laissés de côté. Claudia qui gagne 35 l'année li marié en 2017 ou bien 10 ans côté 10 ans après Maril li te vini aux États-Unis et li déménager dans Ciudad que le Juarez dans Mexico après que mariage li sachant que en droit et li te vive en li te doué men li te doué li te doué vivre en dehors pays pendant des années pour être capable obtenir un statut juridique. La vie n'était prêt et nos vies ont pris un tour de 180 degrés. C'est ça Claudia a déclaré que 10 ans après, pas jamais qui réglé. Et c'est ça le dit. Donc 10 ans après que Maril était venu aux États-Unis, il était déménagé dans ville Suarez. Donc il a même tout bénéficié de programme non. Biden t'a annoncé hier mardi que administration là a permettre dans mois cap venir yo, OK, dans mois cap venir yo à conjoint citoyen américain qui pas gain statut légal pour yo demander résidence permanente et finalement citoyenneté sans que yo pas quitter pays a pour une autre durée jusqu'à 10 ans. Environ 500 000 immigrants capables de bénéficier du programme ça selon haut responsable administration Biden non. Pour qualifier donc un immigrant doit vivre aux États-Unis pendant 10 ans et marié à un citoyen américain. Donc tous deux partis de lundi Marie Zininga li pas éligible parce que li pat aux États-Unis. Donc là détail ça nous pas gagnel pour éligible dans programme Biden non parti de lundi dernier faut gagner 10 ans dans pays ya. Sou son moun ki poko gagne 10 ans ou pas la donne. Imaginez que ce ne serait un rêve de devenir réalité. C'est la Zininga lui-même lui déclaré qu'il travaille en temps partiel dans l'activité transport papa li dans Houston, Texas. Marie capable avec nous n'a capable rencontrer sous n'a capable rencontrer donc sous bien-être petite nouyo n'a capable compte amen et concentrer sous bien-être petite nouyo c'est ça et lui déclarer chaque avantage en matière immigration même aussi balayant l'offre d'année électorale de Biden et des dettes seuil d'autres critères d'administration en septembre président démocrate là li élargit statut temporaire près de 500 000 vénézuéliens qui vinit aux États-Unis en juillet 2023 donc c'est ça et programme action différée pour arriver Timoun dans les Obama qui était protégé et par des centaines de milliers de personnes et des protections et de protéger de déportation également Biden cherche ti moyen pour yo tout pour moun sa yo joine possibilité a environ 1.1 million époux nan pays a yo illégal yo mari ak citoyen américain selon groupe défense FWD.US ça signifie que des centaines de milliers yo pas qualifié parce que yo pas trouvé aux États-Unis pendant 10 ans. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour monde qui gagne 10 ans dans pays a. Défenseur de l'immigration, il était généralement très content pour te annoncer dossier ça mardi a. Donc nous gagne Angelica, nous gagne Brenda, nous gagne Magdalena, nous gagne Allison et nous gagne des plusieurs couples encore et mais qui bail témoignage que eux-mêmes yo vraiment réjoui de décision ça président Joe Biden lui-même li prend pour que li capable légaliser yo, faire joindre papier et puis capable aider yo juste joindre résidence priorité dans pays ya. Donc ou même continue guys et m'a dit ça continue garder la foi please m'a mandé et pour pas décourager OK m'a mandé pour pas décourager un moment et pas décourager. Donc pas décourager, garder la foi sans garder derrière et monsieur est certain n'a privé et porter victoire. Qu'on a programme Biden, qu'on son monde qui dans Mexique qui passé par CBP et garder la foi et puis everything gonna be alright.
N'a pas continué toujours et Jean Dossier a balancé la matin, hein, pas pa de nouvelles même. Nouvelles yo en pile, yo pile sous pile, mesdames et messieurs, yo pile sous pile. Donc Joe Biden là, li fait yon angle de 180 degrés dans dossier Haïti. Yon angle de 180 degrés dans dossier Haïti. Toujours, ça va faire marcher. Parce que si c'est dans l'intérêt, nous-mêmes, nous apprêtons dans Saint-Thomas, dans le dossier Haïti, ça, nous apprêtons dans Saint-Thomas. OK? Parce que tout critère montre noir sur blanc, ce n'est pas un sérieux qui a réglé. Ils montrent nous, ce n'est pas un sérieux qui a réglé. Et d'abord, tout dans le business, c'est investissement. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça, Mabdia? Dans le business, c'est investissement. Qu'on veut ou pas? Plus bon investissement. Qu'a fait pour le pays d'Haïti, c'est dans la police nationale l'allié avec l'armée pays d'Haïti. Qui ça m'a toujours dit? Est-ce qu'elle n'a pas attendu un discours président, futur président, en parlant de Guy Philippe hier? Est-ce qu'elle n'a pas attendu qui ça et Guy Philippe lui-même lui t'a dit? Président peuple là, qui ça Guy Philippe t'a dit? Donc Guy Philippe parlait et lui dit que lui écrit OEA pour le demander. Pour qui ça, il n'a pas investi dans la police nationale. Mais il y a une bagarre qui m'a toujours dit. Donc, un paquet de jeunes voulait rentrer dans la police, mais la police corrompue de la tête aux pieds. Nous, on est dans la police là, pas 10% qui rentrait sous base qualification, il rentrait sous base corruption. Donc, that's why que, même jeunes qui rentrent sous base corruption, ils continuent à travailler sous base corruption. Ça veut dire, c'est pas parce que mon sonègue, mon gagné et les capacités, les habilités pour rentrer dans la police, il y a quitté rentrer dans la police. Si m'se petit cousin gars connu là, il y a cherché un côté au la game. Si m'se yon nièce, il y a cherché un côté au la game, son neveu, il y a cherché un côté au la game. Et si m'rentre dans la police là, il y a prendre avec deux bras l'ouvri. Mais si m'pa pas famille yon nan nèg yo, moi-même m'pap gon côté ou pap ka la game yon côté. Donc c'est qu'on s'allie. Ça veut dire non la police job c'est que elle a tout li chargé à corruption. That's why que nous pas capable gagner sécurité dans pays là. Moi même plus bon investissement ma bonne nouvelle là qui t'aime là par retirer. Donc et plus bon côté plus bon nouvelle là c'est là que yo bonne nouvelle yo investi comme ça dans former des autres policiers qui pas corrompu. Il a formé des autres policiers non seulement Port-au-Prince. Parce que Haïti pas seulement Port-au-Prince, yo capable gen base policière dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le plateau central, dans tout côté policier a fermé. Ça veut dire les policiers qui vont servir l'ouest, yo formé 10 000 policiers pour l'ouest, yo formé 10 000 policiers pour nord, yo formé 10 000 policiers pour sud, yo formé 10 000 pour plateau central. Yo ka formé la caillou. Les anapsenti, y a fond bagay pour Haïti. Donc, président Joe Biden lui autorise 109 millions de dollars pour Kenya. So, pour Kenya? Son job pour Kenya? Ou même ou pas bénéficier en good, non comme ça? Parce que les Kenyans et Kenya ont parlé. Gouvernement Kenya a dit, libéral pour que sa opposition a bat call. Parce que yon même yon pas parlé rien à Haïti service. C'est travail yon pral travail. Et yon dit, l'agent ça a. C'est l'argent pour aller servir Kenya. Donc, dans le cas ça, il n'y a pas pour qui ça. Il y a bat koyo parce que l'argent l'a tourné pour capable aider Kenya et pour capable aider Kenya développer. Donc, il y a même, il y a connu qui ça a bien fait. Donc, nous-mêmes, qui ça n'a bénéficié, I don't know. L'île est pour genoux clair, pour nous être clair, pour nous camper un seul côté. Pour nous camper un seul côté. Nous, là, pour comme ça, on t'a débloqué pour l'armée d'Haïti. 109 millions de dollars pour acheter des armes, acheter équipement, n'a pas gain pays et prendre verting dans fête et puis nous retirer ça pas bon vieux grain qui pas bon nous retirer yo et puis sortant de là et bon Jean bagaille capé de Haïti selon elle là aussi venez de former police là Venezuela gain des experts dans bail ça venez de police là ou garde El Salvador vinn bon coup de main pour aider police là ou elle la Turquie capable do venez de police là ou elle la Chine qui vre des experts sous elle la Chine vre experts là aussi vre experts Venezuela vre des experts Salvador vre des experts pour venir aider nous la Turquie yo vre des experts pour venir aider nous pour nous mettre police nous en sous pied pour nous mettre l'armée nous en sous pied là nous mettre bat bravo n'a prend sans sécurité on joue mais tout ton ouais, cette petite bagaille qu'a fait
Jean-Wen nèg yo a flané là, nèg a ouvert koyo et m'a montré où et tout à l'heure et nan bagaille policier comment nèg a ouvert koyo, a calé koyo. Administration Biden nan alors li libéré, li autorisé donc 109 millions de dollars en faveur force Kenya dans pays d'Haïti. Après bagaille la te bloqué par législateur républicain yo contre financement yon mission sécurité armée en Haïti, secrétaire d'État Anthony Blinken qui a chargé département d'État procéder à un financement de 109 millions de dollars pour aider et flic spécial Kenya yo pour yo déployer pour aider police nationale là donc mettre l'ordre dans des ordres dans pays d'Haïti. Décision Blinken nan qui devenu connu sous nom de option nucléaire li annulé en prise républicain yo sous fond hein. Donc là son gros causé y aurait l'option nucléaire. Option nucléaire là, ça veut dire que l'administration Biden n'a passé non level qui plus haut. Pour l'argent débloqué, il faut que les républicains te mettent ensemble. Et nous connaissons ça que les républicains lui-même, 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 bagaille qui relè Haïti à même. Et jusqu'à ce que papa te relè Haïti, pays tout derrière, chez trop le country. Donc on m'a quand oublié et Trump terre les nos chez le country. Donc Trump pas gon good, il t'a débarqué, il t'a débloqué pour Haïti. Et m'a dit bagaille, Donald Trump rentrer là dans pays à comme président et m'a dit que ouais dossier Haïti a se plié met ton côté, l'a blié bagaille comme ça pas gon good, Donald Trump pas quel, pas qu'on bagaille qui est Haïti. Les républicains pas qu'on bagaille qui est Haïti. Et c'est bien Edmund ça yo besoin pour débloquer comme pour aider Haïti. M'bon sous pour que Jean m'a débloqué comme là parce que moun so pa gen belle avec Haïti même m'a demandé pour qui blanc pas bon blanc pas vle non même bon blanc pas vle non même avec plusieurs contestations judiciaires à Nairobi également guys dans pays Kenya ba la poko facile du tout et qui retardait déploiement mission avec autorisation Blinken. Il n'y a pas que l'argent pour que acheter matériel et une équipe kenyane évaluation de sécurité qui était nécessaire. Et également, tu es en ville Port-au-Prince, tu es dans un signal clair, montre toute bagaille qu'il y a besoin. Si tu pas joindre tout ça au besoin, tu n'es pas capable de venir parce que pas gagne rien, pas gagne de l'eau, pas gagne manger, pas gagne machine, pas gagne blender, pas gagne suffisamment blender. Donc c'est à dire n'a pas plus blindé peut-être rentrer dans pays A pour aller remplir mission les États-Unis dans pays d'Haïti. En allant de l'avant avec l'obligation des ressources, secrétaire indiqué également et l'autre pays, donc ça veut dire et à d'autres pays sincérité et sérieuxité engagement yo. Qui ça Blinken voulait dire? Blinken da voulait dire là, c'est que AXA yo posé a, li pral bay une opportunité pour l'autre pays capable que yo sérieux sous dossier. Yo même yo pas dans jouette. Yo voulait ça marcher. Donc si toutefois et l'autre pays qui voulait aider Haïti yo même yo t'a brancé yo t'a calbendé et bien et y a pour les États-Unis li sérieux sous dossier ya. Au moins gen 6 l'autre pays qui déjà dit yo même y a là non gen Jamaïque là et non gen Jamaïria Arabe Libye la Libye non gen Bénin et yo mandé l'ONU yo même tout yo gen intention pour yo voir propre policier pa yo nan cadre là non gen même Suriname non gen Jamaïque non gen Bahamas tout pays ça yo même yo prêt pour voir l'autre policier tout vini nan bagay force multinationale là. Donc ça te laisse les États-Unis comme pays qui peut mettre 300 millions de dollars pour le capable supporter majeur parti fardeau. Cependant, l'ordre département, l'ordre de département de la défense, il pas aucun problème pour te obtenir finance de 200 millions de dollars, département d'État frappé barrage Congrès et pour te demander 50 millions de dollars, on sur 100 millions de dollars, yo pas joindre. Donc là nous pral regarder est-ce que bagay la c'est jouet lié, est-ce que son bagay sérieux, est-ce que gon bagay kap débouché. But l'aime di bagay kap débouché a nan mission Biden nan toujours. OK, moi même Biden nan c'est nan immigration on prend amen et c'est pour Haïti a li même force multinationale pa vinn fan pour nous.
OK, li clair sur ça, force multinationale pas vinn faire absolument rien pour nous. Force multinationale pas ka aider nous, pas gen force multinationale qui ka aider. Ça ka aider c'est nous kon problème nous, c'est nous kon tête nous. Premièrement, gon problème éducation qui doit fait. Trop jeune garçon la gen kon nan gang, manque éducation. Et on paye pas développer sans éducation. Qu'on vle lou pas, faut chercher une technique, faut chercher un moyen pour éducation en fait. Brutalement, ça pas résoudre le problème pays d'Haïti. Bon, c'est une façon quand même pour nous joindre, pour nous résoudre le problème pays si là. Donc, 109 millions de dollars, c'est comme Joe Biden débloqué pour M. Kenya ou Kavin travail. Encore, ma vraie deal, c'est comme pour M. Kenya ou Vin travail. Ça veut dire, c'est comme pour vous toucher. C'est comme pour vous prendre plaisir. C'est comme pour vous enceinte femme. C'est comme pour vous venir faire cadet Jacques sous petit garçon actif. C'est comme pas yo. Mais c'est pas comme pour venir aider Haïti. Pas qu'un personne doit mettre ça dans tête ou que n'y a capable venir aider Haïti. Non, yo pas capable. Si les grands blancs pas capable, que n'y a pas capable. Première raison que n'y a pas capable, que n'y a pas venir non bagarre peut-être la vienne travailler. Ça veut dire les États-Unis pas venir, li voye que n'y a vienne travailler pour lui. C'est comme ça entrepreneur, investisseur travail. Lors vin nan kad investisseur ou vin nan kadran iyan, eh bien ou paye moun pour faire travail ou t'ap fè a. Les États-Unis payon moun pour faire travail t'ap fè a. Mais lèm payon moun pour faire travail moun doué vin fè a, moun nan doué fè l janm ka fè la. Et si toutefois pa ka fè l janm bezwen nan pa bezwen. Donc nan ka sa, Kenya a vin rann les États-Unis yon service et la pran ni jan ke li même li doit rann ni. Donc c'est comme ça et dossier aye, ça veut dire c'est toujours mission américain. Même journal la deal, c'est mission américain que Kenya li même la vin rempli yon mission pour les États-Unis. Même jan tout acteur ki nan pays a la, y a rempli yon mission pour les États-Unis. Commencer dans premier ministre, arriver dans dernier ministre, commencer dans premier président, arriver dans septième président, tout parce que peuple haïtien pas mettre yo. Peuple haïtien pas choisi yo. Bagay pa ka fait nan pays pauvre ou pour au courant. Il pa ka fait comme ça. Même ça qui porter comme zam nan pays a ou gon pays ou a diriger ou pa konn ki zam ki la donne. Et son belle cause ou gon pays ou a diriger ou même kap diriger hein? Ou même cap diriger pays et puis ou par contre qui zam qui la donne l'aime dit qui zam pile munition yo vin avec la yo ou pas connait yo pas gen personne qui connait yo premier ministre pas connait yo deuxième ministre pas connait yo c'est compliqué. Alors pendant que les États-Unis lui-même la dans même dossier ça non gè uniquement pressé et bien pour faire force multinationale l'avenir on dit son urgent bagaille là yé faut force l'avenir bien rapide parce que Haïti pas capable encore il mandé pour force l'avenir bien rapide bon c'est que c'est dossier ça qui cause que obligé pas son vitesse supérieure yo dit hey là non pas capable encore il est important que nous faire force ça et bien vini nan peyi a. Donc voilà, et l'argent débloqué pour ta vini Jean Tawel, le gon haut commissaire et haut comme fonctionnaire nan ONU pour droits humains, pour droits humains et qui se Volker Turk lui-même li mandé hier mardi a pour mission multinationale qui vinn mettre sécurité nan peyi d'Haïti a pour intervenir de manière urgente dans état et caribéen. Donc li mandé pour déploiement fait de manière urgente pour venir supporter sécurité a nan peyi d'Haïti et pour capable tout faire face avec gang yo. Donc c'est ça le mandé pressé. Li dit ça encore son urgent, nou pa ka dormi. Bon kon y a la comme la débloqué Napton. Mesdames et messieurs, mba nou pa mandé me causer et moi même qui choisi vinn mandé me causer. Eh ben monsieur a pas joué non mais I would like you to see him a little bit. Monsieur, mais non ali, est-ce que nous allez qui est m'a parlé? Monsieur, jeune garçon pa vle grand moun ki rete ki pa vle grand moun non. Mais toi là non ka wè de monsieur yo c'est Kim Jong-un avec Vladimir Poutine mais monsieur yo de nèg wap gade la yo c'est Vladimir Poutine
deux présidents jeunes gens, plus jeunes gens qui existaient sous planète Terre. Ah oui, deux présidents jeunes gens qui existaient sous planète Terre. Le matin, il fait commencer, monsieur était fretoui. Deux présidents jeunes gens qui fait commencer sous planète Terre. Ouais, le matin, il était confiance, peuple, monsieur était frais, monsieur était Shelbert. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. C'est la rencontre du président Vladimir Poutine et puis à camarade Lee, Kim Jong-un, président Corée du Nord. Eh bien, deux messieurs yo mettent tête ensemble pour faire coalition yo plus ferme pour yo goumer contre Occident. Voilà. Là où kawe exactement en Corée du Nord. Et pas tiba et piti non. Yon pays pauvre Corée du Nord. Yon pays pauvre Corée du Nord. Mais yon kon sa yap fait. Donc, nan Pyongyang, nan Corée du Nord, c'est là bah ça passé. Kote n'gen président là aussi, Vladimir Poutine, et dirigeant nord-coréen qui c'est Kim Jong-un. Et yon si yon partenariat stratégique global nan yon sommet nan Pyongyang. Nan but pour yon étendre coopération économique, militaire et pour cimenter un front uni contre Washington. Visite Poutine nan li intervenu et li vin paraît alors que y a inquiété de plus en plus de yon arrangement armement côté Corée du Nord a fourni à la aussi munitions nan guerre Moscou a fait et contre Ukraine nan en échange de yon assistance économique et transfert technologie et qui capable renforcer menace posée par programme armes nucléaires et missiles de Kim. Média état russe yo déclaré que Poutine et Kim yo parlé face à face pendant environ 2 heures de temps dans réunion qui te prévoit et à l'origine pour 1 heure. Yon réunion yo te prévoit faire pendant 1 heure de temps, mais Vladimir Poutine avec Kim Jong-un, mais monsieur yo te fait 2 heures de temps, y a parlé. Donc nan parlé a yo parlé bien sûr de la guerre qui gen en Ukraine nan. Yo parlé de G7 etc qui sont faites là. Yo parlé donc de comment les États-Unis, Canada, la France et les autres pays donc multinationales, multimillionnaires, multimilliardaires, comment yo même yo mettent ensemble pour yo goumen contre la Chine, Corée du Nord, donc avec Vladimir Poutine et certains pays en Afrique qui sont amis. Donc nèg yo parlé d'un pile causé et des messieurs gagnent tête ensemble côté que là aussi fait zam et nèg so grand pile gros zam. Donc l'a fait la guerre quel que soit un gros pays ou besoin l'autre pays pour avoir. Youn nan bagay et m'pense que président yo y a vinn comprendre yon lè. La guerre c'est la guerre. Au même on en guerre 50 pays mettent ensemble contre une lui même il va chercher appui tout ou pas ca comprendre ou ca dit pas chercher mais l'a chercher quand même l'a chercher quand même parce que lui même il voulait gagner là dans la guerre objectif là c'est pas bataille c'est gagner. Donc s'exprimant au début de pour parler mercredi, Poutine lui remercier Kim Jong-un pour soutien que Corée du Nord dans guerre en Ukraine non. En partie, dans le cadre de salles qualifiées de combat contre politique hégémoniste impérialiste des États-Unis et leurs satellites contre la Fédération de Russie. Là, donc, Vladimir Poutine l'a qualifié à quoi de un nouveau document fondamental qui pourra le constituer base, lien de long terme. Il salue le lien qui retratait l'armée soviétique là pour combattre l'armée japonaise dans la péninsule coréenne dans le dernier moment dans la Seconde Guerre mondiale et soutenir Moscou et Pyongyang pendant la guerre coréenne. Donc Kim lui déclare que amitié fâcheuse Moscou et Pyongyang lui connait à vin plus étroite que pendant l'époque soviétique là. Il promet un soutien, une solidarité, donc plein de soutien, de solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe dans la conduite de l'opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger souveraineté, intérêt, sécurité, intégrité territoriale.
Donc, Kim Jong-un, monsieur a déclaré lui-même, il est prêt pour le supporter. Là aussi, tout gens l'a supporté aussi pour la nan guerre spéciale, ça, une intervention spéciale. Il parle de guerre ni invasion, il est intervention spéciale. Donc, monsieur, pas nan caché, pas nan baigné, et puis serré derrière ou bien caché l'ombre, il bay bagay la janye ya. Kim te utilisé un langage similaire dans le passé. Et monsieur dirait, Jean là aussi te yé avec l'Union soviétique. Donc, c'est pas ti bagay sa gen là, c'est pi gros cause genye. On dirait que monsieur dit, n'ap met tête ensemble pour nous correspondre avec yo. Kim, lui utilise un langage similaire dans le passé pour l'affirmer constamment que Corée du Nord lui soutenit, ça le décrit comme yon action juste pour protéger intérêt là aussi et blâmer crise là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Intérêt, monsieur Sao, là aussi campé bon bouillot. Là aussi son gros force, son gros potomitan. Donc Kim Jong-un parle là aussi perdu parce que c'est dans l'intérêt pas le tout. C'est là aussi perdu bataille, yo même tout y a faible, yo obligé camper bon côté là aussi. Donc yo pas immédiatement clair et à quoi soutien ça li capable ressembler. OK, en aucun détail. Yo donc bon Jean-Noël, les États-Unis ba en pile cob, li ba en pile zam, yo même yo ga fait pa yo. Corée du Nord donc li sous contrôle ONU. Sanction Conseil de sécurité sur programme armement, tandis que la Russie est également confrontée à sanctions qui imposées par les États-Unis. Donc, les mouns, des mouns, c'est des amis, il faut souffrir ensemble. Même si l'ONU a pini, il est obligé, parce que la Russie, ses amis, il faut supporter les amis. Et média Russie a déclaré plutôt que Kim, il organise une réception et Poutine t'a dû quitter. Hier mercredi, soit pour le Vietnam, c'est pour nèg y a fin konnen net qui côté et bien le pour aller. Donc ça qui important dans information si là, et bien nous que deux messieurs mettent tête ensemble pour mener gros bataille qui parité avec bataille contre les États-Unis d'Amérique et puis yo proposer pour yo une supporter l'autre pour yo une aider l'autre. Et bien mesdames et messieurs, monde là pas gain prend pression. Tout le monde a fait pays. Nous-mêmes seulement qui pas fait pays. Elle nous qui pas fait pays. Moi-même, senti j'en fais mon honte. L'aime garder dans niveau nous descend, dans niveau nous bas, pendant que l'autre pays eux-mêmes, il a dégagé pour avancer et nous-mêmes c'est descendre, n'a descendre de jour en jour. Donc, dans le pays d'Haïti, j'aimerais te dire ça, nous gagnons hier, là, côté que les gens leur force police qui débarquait, et oui, mon ça recevoir diplôme yo pour que yo capable et vinn ba écoute mais pa yo nan police là encore 450 spécial ben moi si m capable voir quelques images m ka montrer au comment nèg yo t'a déployé et comment y a déployé eh bien ah oui un peu l'image ambassade américaine présent et croisé pied yo croisé pied yo c'est un gros obstacle qui gagne. Est-ce qu'on regarde ça? OK, voilà faut être toujours là mais président nous mais premier ministre nous. OK, un président nomme un premier ministre nous. Et mais président nomme un premier ministre nous. Voilà. Un baquet latino, MC. Ah ça c'est assez. Et tout ça ambassade américain. OK, premier ministre là dans son discours. Mais monsieur Damio et force multinationale là, c'est force spécialisée à Nabia. Donc on entendait discours et premier ministre là, par c'est discours premier ministre là, dans dossier ça, qui t'a parlé. On regarde si me joigne pour là. On second juste ben moins quelques secondes. Et monsieur fait gros discours en fait. Non, monsieur fait gros discours.
Non, pas ça. N'attend des premiers ministres là. Donc, dans son discours, pendant que M. Damio, policier Sao, il t'a reçu voir par chemin. Nous battre un gros bravo pour vous montrer ça. Discours ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça n'est pas pour contre. Chaque là-dedans, vous avez un soeur, ou maman, ou frère, ou petite, qui pourra vivre même stress ça avec vous, qui pourra l'embattre avec vous, qui pourra le perdre du sommeil avec vous, qui pourra le retenir, qui par contre s'y apporter demain matin. Nous battre un gros bravo pour famille Mounsaï. Madame, petite, pour nous connaître que nous avec vous et que nous apprécions le sacrifice. Policiers, policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs, mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de deux tiers des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnels et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société.
Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez disciplinés et restez concentrés. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Merci beaucoup. Nous gagnons une grosse responsabilité. Responsabilité pour marcher dans la discipline. Responsabilité pour marcher dans le respect de la loi à droit monde. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution nous, PNH, envers pays nous, Haïti. Responsabilité pour nous voter bon genre résultat pour famille nous, institution la police et PIA qui est fier de nous. J'ai tout le monde dans le PIA, pour l'autre bord de l'eau, braqué sous nous. Nous, c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour sécurité blaye, pour Haïti revivre. Commandant, nous comptons sur nous. Autorité, conseil présidentiel, là, premier ministre et gouvernement, comptez sur nous. Toute population, comptez sur nous. Dans l'occasion, ça, nous souhaitons succès à nouveaux policiers, Jam Unité, nous, cap travail, cap efforcé, chaque jour. Sous direction, premier ministre Koni, et conseil présidentiel transition, accompagnez-nous. Dans toute opération, nous prenons le mener pour déraciner gang avec Zamio. Nous ne pas jambes pour contre nous. Je répète, nous ne pas jambes pour contre nous. Sérieux. Au sérieux. Bon, police, vous ne pas jambes pour contre vous. C'est ça, et président, les mêmes li annoncé, vous ne pas jambes pour contre vous. Vous avez toujours accompagné vous, fois ça. Pour y attaquer gang, attaquer bandits, etc. Donc, pendant que vous pas oublié que, et gang, non, lui commence exactement dans l'état, et c'est ça qui a plus de problèmes dans le pays.
Donc c'est pour ça qu'on doit discuter avec au matin, parce que n'a tourné plus tard et pour plus de détails et puis répondre des diverses questions même où tu gagné pour nous tout. Donc concernant programme Biden immigration et des voyages et moi qui lancé là sous béton et nous pourrions chercher des informations tout pour mon zao qui besoin voyager quitter pays d'Haïti aller dans l'autre pays n'a pas chercher information et porter pour nous mesdames et messieurs. M'prions en grâce qui ton like en bas vidéo ça et partagez le tout côté non pas MCMPH vraiment en pile à plus tard. Ciao tout le monde. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir-me. Ça, c'est espagnol. Si vous êtes en anglais, vous marquez subscribe. Si vous êtes en français, vous marquez s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsque vous cliquez sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option, retirer flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois mon ton vidéo ou joindre notification et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.